Eh bien bonjour à tous, c'est Equan. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu de voiture. On est sur BeamMG Drive. Et oui, ce super jeu de simulation dans lequel on va pouvoir faire différentes expériences avec tout type de véhicules. Oui oui, je précise bien tout type de véhicules parce que vous allez voir, aujourd'hui on va tester des véhicules assez particuliers. Monteur, je te laisse te faire plaisir, fais un petit spoil aux abonnés. Ça tombe pas très bien cette affaire. Gardez-moi ça. Allez, 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 allez. Comme vous venez de le voir au spoiler, on va pas se mentir, aujourd'hui ça va être une vidéo bien sympathique. Donc je compte sur vous pour me faire plaisir, un maximum de pouces bleus, objectif les 75 pouces bleus. Car je vais pas vous mentir, les vidéos sur BeamMG Drive c'est vraiment une masterclass. J'adore à chaque fois les tourner, faire les expériences, c'est vraiment trop trop bien. Et puis j'en profite, hein, mais si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit et ça soutient énormément. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. On se retrouve juste après la petite page du partenariat de la chaîne. Allez, c'est parti. LB Design, votre allié créatif et incontournable. Nos services, logos saisissants, miniatures qui attirent l'œil, montage vidéo d'experts et bien d'autres encore. Nous avons également une boutique, là où vous pourrez retrouver les meilleurs logiciels et plugins utilisés par les professionnels. Nos valeurs sont la qualité et l'écoute de nos clients car elle est au cœur de notre ADN. Contactez-nous dès maintenant pour transformer votre vision en réalité. Votre succès, notre engagement. Bon, j'ai envie de vous dire, on va commencer crescendo avec des petits scénarios, ça va être plutôt pas mal. Donc là, on est sur la page des scénarios. Qu'est-ce qui pourrait être assez intéressant à essayer? Ok, celui-là, pourquoi pas, regardez, avec un genre de pick-up, avec des toilettes dans la benne, donc ça peut être marrant. Go essayer ça. Bon, difficulté assez élevée, donc on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai envie de vous dire, déjà pour commencer la vidéo, un peu de difficulté, ça fait pas de mal. Donc on est parti. Bon, après un petit temps de chargement, nous voici avec ce genre de pick-up. Ok, c'est carrément une voiture à trois roues, j'avais pas fait gaffe. Une voiture avec un covering assez particulier et en plus de ça avec l'énorme cabane pour les toilettes là. Déjà premier point, pourquoi il y a une pelle ici, on sait pas pourquoi. Deuxième problème, il se peut qu'il y ait un petit problème de contrepoids, genre on va pas se mentir, tout le poids de la cabine qui est sur l'arrière sur une si petite voiture aussi légère, je pense que ça va être compliqué. Donc dans les virages il va falloir y aller vraiment doucement. Et dernière chose, j'ai envie de vous dire, écoutez moi le magnifique son de cette voiture. Regardez, je vais mettre les gaz. Magnifique petit 1 litre 9 TDI, miam, franchement magnifique. Bref, vous savez quoi, on est parti, let's go, 3, 2, 1, allez c'est parti. Oui, première accélération, j'ai cru que j'allais direct pencher vers l'arrière, ok, nickel. Non mais je vois rien, attendez, on va se décaler un petit peu la caméra, ok, parfait comme ça. Donc bon, écoutez, on va essayer de pas trop trop mettre les gaz. Pour le moment, ça a l'air d'aller, donc on va pouvoir, ouais, tracer, c'est parti. Oh là là, c'est tellement pas stable, regardez-moi ça, attendez. Attendez, c'est quoi ça? Oui, oui. Ok, ok, c'est bon, j'ai maîtrisé. Bon, vous savez quoi, aujourd'hui pour les scénarios, je vais essayer de me donner un petit objectif. On va essayer de tous les faire first strike, donc ça va pas être facile. Déjà là, regardez, première difficulté, on va essayer de passer à gauche. Ok, c'est parti. Allez, doucement s'il te plaît. Ok, super, ça bloque, j'adore. Écoutez, on va prendre un petit peu de vitesse, hein, en espérant qu'elle penche pas vers l'arrière. Ok, allez, c'est parti. Non mais c'est pas possible. Mais attends, mais la roue, elle est trop petite. Mais recule. Mais je peux rien faire. C'est une blague. Ok, bah super. Yes, premier scénario, c'est déjà la galère. Et bah yes, hein, comment vous dire, on doit recommencer le petit scénario. On va essayer de tous les faire first strike. Oh, hein, j'avais dit, allez aujourd'hui, tranquille, ça va être first strike. Et bah pas du tout en fait. Yes. Bon, déjà, on peut voir qu'en vrai, c'est pas si simple que ça. Hein. La difficulté est élevée, on comprend pourquoi. Donc là, écoutez, on va en profiter. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, même si mollo mollo quand même. Hein, ça tourne pas très bien cette affaire. Et on va essayer de réfléchir un peu plus intelligemment, sans se coincer comme je l'ai fait juste avant. Yes. Est-ce qu'on passerait pas à droite cette fois-ci? Ouais, mais avec la pente, le problème, c'est qu'elle va tomber dans le vide. Je vais rien comprendre. Bah, en vrai, qui ne tente à rien n'a rien, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, c'est bon. Bon allez, vous savez quoi, on va faire un dernier essai, mais là vraiment c'est pas possible. Equan, il est trop nul, c'est pas possible. Le scénario, même si les difficultés élevées, c'est... Voilà, ça fait quand même plusieurs fois que j'essaye et j'y arrive toujours pas, c'est pas possible. Donc bon, écoutez, comme j'ai toujours dit, hein, il faut persévérer, on va peut-être y arriver. Mais bon, on va pas rester bloqué non plus 30 ans sur le même scénario, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est le dernier essai. Donc là, je vais prendre un petit peu de vitesse, on va passer, bah on va repasser à gauche, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Allez, c'est parti. Ok, ça passe. Oui, elle a pris un petit peu cher à l'avant, mais j'ai réussi à passer l'obstacle. Attends, recule s'il te plaît, recule, ok. Allez, s'il te plaît, tourne. Oh, mais ça tourne pas cette affaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, tourne, allez. Mais je suis coincé, c'est pas possible. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Allez, Tekwan, il va trouver une solution. Allez, démarre s'il te plaît, c'est pas le moment de me rester coincé. Non, mais c'est pas possible. Attendez,
J'ai pas envie d'être bloqué alors que j'ai enfin passé l'épreuve. Non, oui. Non mais c'est terrifiant ce scénario là, mais vraiment j'ai persévéré, j'y suis toujours pas arrivé. Bref, on va laisser tomber. Maintenant on va passer sur ce petit scénario qui va être en difficulté moyenne. Donc ça va être plutôt cool. Donc je l'ai jamais fait, donc ça va être le moment de le découvrir. Donc c'est parti, hop. Ok, on est parti pour le deuxième scénario avec un véhicule à 6 roues, un peu comme le 6x6, mais version Wish. Bref, on perd pas plus de temps, on est parti pour le petit scénario. Donc le deuxième, j'espère que je vais le réussir, parce que c'est pas tout, mais le premier, il était bien gavant à la fin. Donc voilà, ok, là ça a l'air d'être une épreuve un petit peu style tout terrain, donc j'espère que ça va être plus simple. Donc bon, écoutez, le petit 6x6, 4x4, j'ai envie de vous dire, il a l'air d'être pas si mal que ça, hein. Donc on va se mettre tête en vue intérieure, ça pourrait être pas mal. Voilà, ici, nickel. Et puis on va appuyer sur le champignon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Wow, ça bouge pas mal. Ok, on va essayer de pas le casser non plus, ça serait beau de finir cette épreuve first strike. Ok, là ça passe, nickel. Allez, on va faire un petit saut, c'est parti. Oh là là, c'est magnifique. Bon, écoutez, la petite voiture, elle a l'air de se débrouiller pas trop mal. C'est parfait. Regardez-moi ça un petit peu. Voilà, petite vue intérieure, c'est parfait. Mais la vue extérieure sera plus sympa pour voir un petit peu l'ensemble du décor. Donc regardez, on se remet ici. Oh là là, mais regardez-moi un petit peu ces graphismes. Regardez-moi ces paysages de désert, comme c'est magnifique. Franchement, ce jeu est tellement bien fait. C'est juste incroyable en vrai. Vous imaginez, pour un jeu qui a une dizaine d'années un peu, comme il est magnifique encore aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de vous dire, heureusement, c'est un jeu qui se développe et qui est toujours d'actualité. Et que je trouve tellement bien réussi. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je vais me concentrer un petit peu. Pour le moment, c'est pas trop mal en vrai dans l'ensemble. Regardez, on va passer juste ici. Ok, parfait. On a combien de checkpoints? 12 sur 19, ok. On se rapproche de la fin, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Si on peut le réussir du premier coup, ça serait plutôt chouette. Ok, oh, en vrai, il se débrouille trop bien, hein. C'est incroyable. Hein. La petite voiture là, impeccable. On passe juste ici. Allez, 16 sur 19, ça va le faire. Il en reste plus que 3, là il nous en reste 2. Ok, allez, le dernier en face de nous. Et c'est terminé, let's go. Ça fait plaisir, on a réussi du premier coup. Et franchement, ce deuxième scénario, c'est vraiment un banger. Et en vrai, mine de rien, il était pas trop compliqué. Donc ça fait super plaisir. Bon, maintenant on va passer au troisième et dernier scénario de cette vidéo. Et quoi de mieux qu'une petite épreuve avec un camion cette fois-ci. Ça va changer des petits véhicules comme les 4x4, les voitures, etc. Donc là, regardez, course à l'essence. Ok, on va voir ce que ça va donner. Donc, difficulté moyenne. Donc en vrai, je pense que ça devrait le faire. Donc on est parti, on va lancer l'épreuve. Bon, le chargement est terminé, on va commencer la petite épreuve. Voici notre magnifique camion citerne avec un chargement un petit peu dangereux, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'il est rempli d'essence, forcément c'est le nom de la mission, donc c'est logique. Écoutez, on va essayer de faire attention aux PNJ également, parce que je vais pas vous mentir, ça serait un petit peu dommage pour eux. Et le chargement, c'est pareil, hein. On va essayer de le livrer en un seul morceau. Donc là, écoutez, on va mettre pied dedans quand même. Malgré tout, il faut le livrer le plus vite possible. On perd pas plus de temps. Ok, c'est bon. Je gère, hop, on va passer juste ici. On n'abîme pas les PNJ, c'est parfait. Donc là, on passe ici, 80 en centre-ville avec notre magnifique citerne. Franchement, c'est prendre des risques, mais c'est pour la bonne cause, on va pas se mentir. Ok, on est à 100 km/h déjà. Allez, on passe là, c'est parfait. Allez, il faut pas que j'abîme le camion, il faut que je fasse vraiment attention. Une conduite millimétrée, franchement, c'est vraiment la meilleure chose. Là, il va y avoir une petite montée, donc je vais faire attention. Hein, mais il faut quand même mettre le pied dedans parce que le chargement, il va un petit peu ralentir le camion. Même si je pense qu'il doit avoir pas mal de chevaux sous le capot. Bon, en vue intérieure, ça donne quoi? Et ben en vrai, c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça, on a des petites boiseries. C'est plutôt pas mal. On a le magnifique volant, un petit peu à l'ancienne. En fait, on est vraiment dans un vieux camion américain. Typiquement un petit peu les années 70. Et franchement l'intérieur il est trop sympa. Regardez, vous avez pas d'électronique, c'est plein de boutons que vous devez actionner manuellement. Et ça c'est juste magnifique. À l'arrière donc on a le petit chargement. On a les petits rétroviseurs qui fonctionnent, ça c'est parfait. Ouh là là, attendez, j'ai pas fait gaffe mais j'ai failli écraser un PNJ. Là on est à quoi? Bientôt 80 miles. Donc franchement on avance. J'ai envie de vous dire, faut pas que je me trompe là, attendez. J'ai envie de vous dire rien du tout parce que, attendez, si je me plante de destination, ça va pas trop le faire. Ok, c'est bon. J'ai pas explosé le PNJ et je suis sur la bonne voie, donc c'est parfait. Là, on est toujours à peu près 100 km/h. Donc là, on est sur l'île qui était en face du point de départ. Et en fait, on est vers un spot. Bah, en fait, c'est une raffinerie, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est parfait. On va aller chercher le petit essence. Allez, hop là.
On tourne à gauche, on ralentit, hein, c'est quand même plutôt lourd. Ok, pour le moment, le scénario se passe bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est parfait. Je suis allé assez vite, je trouve, c'est nickel. Donc en fait, il fallait atteindre donc, la destination sans endommager le véhicule, donc c'est vraiment le cas, c'est parfait. Donc là, à mon avis, il va recharger le camion, et il va mettre un petit peu d'essence. Attendez, il faut que je fasse une petite manœuvre. Ok. Alors, la petite manœuvre. Sans abîmer le camion, c'est pareil. Ok, allez. Ouais, ouais, ça c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Là, mais attends, je vais pas rentrer, la place elle est trop petite. Ah, c'est bon, nickel. Oh là là, let's go, mission réussie les amis, let's go. Bon, en vrai, aujourd'hui, 2 épreuves sur 3 ont été réussies. En vrai, c'est pas mal. Donc franchement, ça, ça fait super plaisir. Et en vrai, il était plutôt pas mal également ce petit scénario. Bon maintenant les amis, on arrive sur la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va faire quelques expériences et on va commencer par tester différents véhicules et voir lesquels vont potentiellement peut-être monter en haut de la dune de sable. Oui parce que c'est une énorme dune juste en face de moi et donc l'objectif ça va essayer de la gravir jusqu'au bout. Donc pour le premier véhicule, je me suis équipé d'un petit Ford Raptor F-150, donc quelque chose qui marche plutôt fort et qui est vraiment fait pour le tout terrain. Donc écoutez, on perd pas plus de temps, je vais taper dedans et puis c'est nickel. Donc là on va prendre un max de vitesse et je vais essayer de suivre les traces, comme ça ça va être vraiment une trajectoire optimisée, ça va être parfait. Donc là regardez, on est à combien, on est à près de 120 km/h, 130 en bas de cette petite dune de sable. Donc c'est parti. Donc écoutez, là par contre je pense que le moteur il va pas mal chauffer. On va bien voir si il va réussir à aller jusqu'en haut ce petit F-150. Oui, il est bien parti. Allez 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 allez. Non, 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 non. Non, attendez, 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 je vais faire quelque chose pour se repérer à peu près. Donc là, en gros, il est arrivé à peu près jusqu'ici. Et l'arrivée, c'est ici. Non, mais vous imaginez le seum un peu. Bon, bah, yes, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Il mérite que ça, hein. Franchement, j'étais quasiment arrivé en haut et il me lâche juste avant d'arriver. Franchement, c'est pas juste, hein. Donc tu mérites d'être complètement éclaté comme je l'ai fait actuellement. Non mais en vrai c'est pas possible, j'étais quasiment arrivé en haut et il me lâche à 2 mètres de l'arrivée, franchement il abuse. Bon maintenant on se retrouve avec un véhicule anglais, un gros Range Rover V8 5 litres. Donc là j'espère déjà de 1 qu'il va marcher super fort et de 2 qu'il va gravir cette énorme dune de sable parce que je suis vraiment déçu, hein. Franchement le Ford Raptor, mais je suis tellement dégoûté, je pensais qu'il allait passer. Donc là écoutez, je vais essayer de le contrôler, ça gère pas mal. Ok, normalement en termes de Vmax ça devrait aller mieux. Wow, il envoie, hein. Il envoie vraiment du lourd. Ok, là c'est bon. Ok, on est à près de 140 km/h, 150 quasiment. Allez, est-ce qu'il va réussir? Wow, la grosse déflagration que je me suis pris, ça fait mal. Ok, donc wow, par contre il chauffe vraiment très très fort le moteur. Je suis presque en haut. Allez, lâche-moi pas maintenant. Allez, ça va le faire. Oui, 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 oui. Oh oui, let's go. Bon, le moteur, il est quasiment KO, je vais pas vous mentir. Lui, le moteur, là, il est extrêmement chaud. Mais le Range Rover a réussi à monter en haut de la dune de sable. Ça, franchement, c'est vraiment une masterclass. Non, mais franchement, ça fait trop, trop plaisir parce que je vais pas vous mentir, j'ai vraiment galéré. Donc là, enfin, ce petit Range Rover qui monte en haut, ça fait vraiment trop, trop plaisir. Bon, pour le troisième véhicule, regardez ce que j'ai trouvé. Une magnifique Subaru Impreza version rallye. Qui a l'air d'avoir le piment. Regardez quand j'accélère un petit peu. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. En plus, elle a l'air de vachement cabrer. Hein. Regardez-moi ça un petit peu à l'accélération. Elle a l'air d'avoir le piment. Par contre, la boîte de vitesse, je sais pas ce qu'elle me fait. Ok, elle est un petit peu particulière, la boîte. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la surprise. Donc là, c'est une voiture de rallye. Hein. Donc peut-être que ça sera moins adapté. On va bien voir. Déjà, la boîte, elle me fait des trucs plutôt bizarres. Mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. Elle fait des espèces d'à-coups. Allez, s'il te plaît, ça va le faire. Oui, 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 160, let's go. Impact detected, topping car. Non, mais c'est une blague ou ça se passe comment, là? Non, mais le moteur, il marche toujours, mais pourquoi tu m'as coupé le jus d'un coup? Ok, bah super, bah c'est de l'arnaque, cette voiture, j'adore. Bon, pour le dernier véhicule qu'on va tester, pour essayer de gravir la dune de sable, on est avec un magnifique SUV cette fois-ci. Donc, j'ai laissé un peu de côté les voitures de rallye, hein, ça m'a un petit peu déçu. Donc, on est sur un GLE 63S AMG avec un gros, gros V8 biturbo qui fait plus de 500 chevaux. Donc, ça, ça doit marcher super fort. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, on perd pas plus de temps, on va taper dedans, hein, c'est parti. Hein. Allez, let's go. On prend toujours la même trajectoire, donc c'est parfait, attention. Ok, Taekwon, il s'est pas trop piloté, mais attends, attends, attends. Faut que je... Mais attends, mais je sais pas doser ou c'est comment? Ok, on va refaire, c'est pas grave. Allez, on prend la bonne trajectoire, c'est parti.
Hop, on passe juste ici. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre les gaz. Pas trop vite, pas trop lentement non plus. Ok, nickel. On est à peu près 110 pour le moment. Allez, c'est maintenant, on met tous les gaz. Ok, 150, 160, 110. Oh là là, c'est pas mal. On avait vraiment beaucoup de pêche là, c'est pour le coup. Ok, wow, regardez comment on monte facilement. 130 de moyenne. On fait même un petit décollage. Wouhou, let's go. Incroyable. Eh, franchement, ce petit GLE, il m'a vraiment pas déçu, hein. Il a été super efficace. On était en bas de la dune à 170. On l'a gravi en 2 secondes. Enfin, vraiment, c'est vraiment une masterclass. Donc ça, ça fait super plaisir. Un bon petit SUV bien efficace. Franchement, ça régale. Bon, les amis, maintenant, on arrive sur la troisième et dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir différents véhicules que j'ai téléchargés assez récemment et qui sont super bien. Donc, non seulement, ils peuvent être performants, ils peuvent être super cool à tester. Et en plus, il y a des véhicules plutôt fun et assez original au passage. Hein. Vous allez le voir juste après. Bon, les amis, pour le premier véhicule, on est avec une magnifique Bugatti Chiron Super Sport. C'est de faire une VMAX sur cette piste d'aéroport et après qu'on arrivera au bout de se crasher et de faire un petit ralenti pour voir le résultat, et je pense que ça va être plutôt sympathique. Donc j'ai envie de vous dire, on perd pas plus de temps, je mets le petit launch control et c'est parti. Allez, let's go. Déjà à 100 km/h, 150 200. Oh là là, qu'est-ce que ça monte vite. Oh là 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 là, quasiment 280 200 300 km/h. Oh, ça monte super vite, c'est quoi ça? C'est hyper rapide. Allez, on atteint en VMAX quasiment les... Attendez, je suis pas très droit. 385 km/h. Et on va faire un magnifique ralenti. Regardez-moi ça. C'est parti. Oh là là, regardez-moi le résultat. Je pense que ça va être vraiment épique. Allez, c'est parti. Oh là là, mais attendez, mais... Le ralenti, il a carrément bugué. Non, mais c'est quoi ce résultat? Alors, l'arrière a l'air d'être intact. Mais alors l'avant, bah c'est plus une Bugatti en fait. Ah! Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que le moteur fonctionne? Non. Alors pourtant, il y avait le petit voyant orange, donc j'y ai cru. Mais le moteur semble être un petit peu mort. J'ai envie de vous dire, curieusement, je me demande un peu pourquoi. J'ai ma petite idée. Mais en vrai, franchement, le ralenti, c'était vraiment une masterclass. Du coup, même si j'ai un petit peu bougé sur la fin, on a atteint à peu près 380 km/h de VMAX. C'était vraiment juste magnifique. Bon les amis, maintenant on se retrouve avec un véhicule assez particulier, parce que je précise, on est sur un jeu de voiture, et là en fait je suis littéralement avec un hélicoptère qui fait vraiment beaucoup beaucoup de bruit, et normalement si tout se passe bien, je vais pouvoir piloter cet hélicoptère s'il vous plaît. Non mais en vrai c'est vraiment une masterclass. À quel moment sur un jeu de voiture on peut piloter un hélicoptère? Ça n'a vraiment aucun sens. Donc là c'est pour aller en avant, en arrière, et les petites flèches, ok on peut démarrer le moteur, c'est parti. Allez, let's go. Oh là là, regardez-moi ça. Attendez, attendez, attendez. Attendez, okay, attendez, il faut que je contrôle ça. Attendez. Oui, 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 oui. Non, en fait, j'ai cru que c'était GTA. Attends, il fonctionne toujours ou quoi? Il fonctionne. Il fonctionne. Oh, let's go, il fonctionne. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Attends. Attends, quoi? Regardez-moi la tronche de l'hélicoptère. Au secours. Non, mais c'est quoi ça? Bon, écoutez, je vais essayer de refaire un petit vol. Je vais essayer de m'appliquer, mais techniquement, c'est possible. Ok, donc là, le rotor, on le laisse droit pour le moment. On prend de la vitesse, c'est parti. Ok, nickel, on va tout droit. On va se mettre en vue intérieure, hein. Vous savez quoi? Regardez-moi ça, le petit pilote que je suis, magnifique. Donc, écoutez, on va se concentrer, on va aller par là-bas. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, c'est bon, ça tient, ça tient, ça tient. Ouais, let's go, regardez-moi ça, je pilote un hélicoptère sur BeamNG Drive, c'est n'importe quoi. Incroyable. Mais non. Non, 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 c'est quoi ça? Non. Mais, je me suis trompé de touche. Bon, bah, on va réessayer encore, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On persévère et puis je vais réussir. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, 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 part bien comme ça, voilà, c'est nickel. Regardez-moi ce petit rasmote là. Let's go. Ouais, 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 il va super vite. Wouhou, il carbure, il carbure, il carbure, il carbure. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Par contre, il est pas droit là. Voilà, là c'est bien. Oh là là, regardez-moi. On pilote un hélicoptère sur BeamNG Drive. Alors par contre, c'est pas facile au niveau des contrôles. Non, non, je veux pas faire ça. Non, non, je veux pas piquer du nez. Oh, qu'est-ce que je fais? Mais Tekwan, c'est vraiment le pire pilote, c'est comment? Attends, vas-y, vas-y, par là. Ouais. Oh là là, let's go. Regardez-moi ça un peu. Je suis en train de gérer. Je suis en train de gérer. Regardez-moi ça, le petit rasmote. Oh là là, Tekwan, ça y est, il a pris la main. Oh, c'est trop magnifique, c'est incroyable. On peut contrôler un hélicoptère sur BBG, quoi. C'est magnifique, en fait. Non, mais c'est une masterclass. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Bon, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, maintenant que j'ai pris un petit peu le move, on va se crasher. Je pense que ça va être sympa.
Regardez, attendez. Voilà. On va mettre un petit ralenti. Hop, let's go, je me positionne. Ok, regardez-moi un petit peu les rotors ralentis en plus, c'est magnifique. Et c'est parti, regardez-moi ça un petit peu. Ok, il n'y a rien pour le moment. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une explosion? Non? Oui? Non? Yes? Oui. Non, j'en peux plus. Il n'y a plus que 3 palmes, regardez-moi ça. Je suis mort. Et bah voilà, ça a fini dans les arbres. Non, en vrai, c'était vraiment incroyable. Le petit hélicoptère, c'est une masterclass. Bon, les amis, comment vous dire, l'hélicoptère juste avant, en vrai, c'était super fun. C'était cool. Mais on va pas se mentir, c'est un peu du pipi de chat comparé à cet énorme A380. Littéralement l'un des plus gros avions du monde. En fait, là, ça se passe comment? On est sur Flight Simulator ou c'est comment, en fait? Non, mais je vous jure, à la base, on est sur un jeu de voiture dans lequel on est censé détruire des voitures. Là, c'est un petit peu différent, comment vous dire. On est littéralement avec un énorme A380. On a des milliers de chevaux sous le capot, 4 gros réacteurs. Je pense que ça va être plutôt sympa. Alors, par contre, hein, petite précision, hein, mais ça va vraiment être très, très difficile de faire décoller cet avion. Dans le sens où je sais comment allumer le moteur, etc. Par contre, j'ai toujours pas trouvé les touches pour bouger les dérives, donc ça c'est pas bon signe. Et en plus de ça, regardez-moi toutes les touches pour le contrôle de cet avion, hein. L'hélicoptère, c'était pas grand chose à côté de ça, hein. On avait quelques touches, mais c'était assez facile à prendre en main. Là, comment vous dire, ça va être une autre histoire. Bon, par contre, un point positif, la vue intérieure et extérieure est juste magnifique. Regardez-moi le cockpit de l'avion, vous avez vraiment tous les détails, c'est juste magnifique. Vous avez les petits sièges, l'énorme panneau de contrôle avec les écrans, avec toutes les informations nécessaires pour le vol de l'avion. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Tout a bien été reproduit. C'est juste une masterclass. Donc, j'ai envie de vous dire, on va tenter l'impossible. Je vais mettre les gaz. C'est parti. Donc, je crois que c'est... Attendez, faut que je retrouve la touche. Ah, voilà, c'est cette touche-là. C'est nickel. C'est parti. Attendez, je vais mettre les gaz à 100%, moi. Ok, je crois que je suis bloqué au niveau des gaz. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il va par là? Pourquoi il va par là, mon avion? Mais non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, la galère que c'est. Oh, par contre, l'intérieur, d'après ce que je vois, il a l'air d'avoir les sièges et tout. C'est incroyable. Attendez, on va essayer de le couper. Je sais pas si on peut... Ah non, je peux pas le désosser, c'est dommage. Attendez, j'étais bien droit, il me semble. Les roues à l'avant, elles sont comment? Attends, je peux les tourner? Ok. Non, parce qu'il faut que je précise un petit détail, hein, mais j'ai le clavier et j'ai le volant qui sont branchés en même temps. Du coup, ça peut faire des trucs assez bizarres au niveau du pilotage, même si un volant, c'est fait pour piloter une voiture. Pas un avion, bien sûr, mais bon, vous avez compris, hein, on va tenter l'impossible. Donc là, je vais remettre les gaz, ok. Donc là, je peux les mettre à 100% cette fois-ci, parfait. Donc cette fois-ci, s'il te plaît, tu gères, tu tournes du bon côté. Pourquoi il dévie à chaque fois, je comprends pas. Là, ça a l'air d'être un peu mieux, un peu plus droit. Ouais, c'est pas mal, là. Non, c'est encore pas très droit. Non, mais non, mais non, mais non. Mais non, s'il te plaît, allez, allez, envole-toi, envole-toi. Oui, qu'est-ce que c'est? Envole-toi, oui, 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 envole-toi. Mais c'est une blague. Allez, envole-toi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des bouts d'avion qui volent dans tous les sens. Mais c'est une catastrophe! Mais c'est quoi cette... Mais regardez, il est sur le dos l'avion, mais... Mais what? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là, mais la catastrophe. Bon les amis, j'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé les touches pour faire en sorte que l'avion reste bien droit sur la piste de décollage. J'ai envie de vous dire enfin, parce que j'ai un petit peu galéré. Mais normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir faire décoller l'avion. Alors par contre, le piloter dans les airs, c'est pas gagné, ça va être une autre affaire. Mais déjà, si j'arrive à faire décoller l'avion, j'ai envie de vous dire, c'est une masterclass cette vidéo. Donc j'ai envie de vous dire, on perd pas plus de temps. C'est parti pour faire décoller cet A380. Donc je vais me positionner comme ça. Je vais mettre les gaz. Regardez, c'est parti. On monte les gaz. Allez, s'il te plaît, monte à 100%. C'est parfait, les amis. Allez, c'est parti. C'est maintenant ou jamais. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Petit A380, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, là, je suis bien droit pour le moment. Ça devrait tenir. Ok, je le tiens encore. Ok, parfait. C'est parfait. C'est parfait. Allez, c'est bon, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. On est à presque 200 km/h. La vitesse de décollage est à peu près 250, il me semble. Est-ce que ça va le faire? Regardez-moi ça! La 380, il vole! Let's go! C'est une masterclass! Oh, let's go! Regardez-moi ça un petit peu. La vue qu'on a sur la map. Donc là, on est sur la map de l'Italie. On va essayer de pouvoir... Ouah, je peux bouger l'avion. Ok, je peux le bouger. Let's go.
Donc ça, ça fait plaisir. Par contre, je peux pas redresser la... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Oh non, l'avion. Non. Le vol qui a duré 3 secondes. Alors là, je suis dégoûté parce que j'ai vraiment mis tellement d'efforts pour faire décoller cet avion et il se plante déjà. Regardez-moi ça. Oh la catastrophe. Oh là 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 là, regardez-moi ça, il est en petit bout, il y a les réacteurs qui volent dans tous les sens. Oh là là, c'est terrible. Regardez. Oui, qu'est-ce qu'elle fait l'aile? Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Bon, mine de rien, j'ai envie de vous dire, je peux crier victoire dans le sens où j'ai réussi à faire décoller cet avion. Et c'était vraiment pas gagné, donc ça fait trop plaisir. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé aujourd'hui de me diversifier un maximum, de faire différentes expériences, différents scénarios qui ont rien à voir entre eux. Et même tester des véhicules assez originales, je vais pas vous mentir. Non mais vraiment, c'était un sacré délire et pas mal de préparation et pas mal de galères ce tournage. Parce que je vais pas vous mentir, faire décoller l'hélicoptère, c'était pas une chose hyper simple. Mais finalement ça l'a fait, c'était plutôt cool, j'ai pu me balader à droite à gauche. Mais surtout la plus grosse difficulté c'était vraiment de faire décoller cet A380. Parce qu'au niveau des touches pour le contrôle de l'avion, pour le faire avancer, c'était vraiment super dur. Donc je suis trop content d'avoir réussi à faire voler ce petit A380. Franchement c'est vraiment une vidéo masterclass. Donc je compte sur vous pour me donner votre avis dans l'espace commentaire, pour la partager à vos amis et mettre le petit pouce bleu qui va bien. Et donc sur ce les amis, c'était Tekwan. Encore merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.